en quoi est-ce que l'ail et la vaseline peuvent être un remède miracle pour vous qui souffrez de chute de cheveux, de calvitie, d'alopécie? Oui, simplement, ces deux ingrédients vont être miraculeux pour vos cheveux. Sachez que parmi ses nombreuses vertus thérapeutiques, l'ail est un excellent remède pour activer la pousse des cheveux, lutter contre leur chute. Voici comment réaliser facilement votre masque capillaire anti-chute à base de vaseline et de l'ail. Oui, simplement ces deux ingrédients. Si vous aimez ce contenu sur les remèdes maison et la santé, abonnez-vous sur cette chaîne et appuyez sur la cloche pour activer les notifications. Comme ça, vous recevrez nos conseils au quotidien. Likez et commentez. Et si vous faites déjà partie de cette belle communauté, faites-le moi savoir dans les commentaires, je vous mettrai un cœur. Mes amours, j'ai beaucoup de demandes à ce sujet. Rose, comment faire pour avoir de beaux cheveux? Ça fait longtemps que mes cheveux tombent, mes cheveux sont cassants, ils sont grisonnants, je ne sais plus quoi faire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un très bon remède que les femmes utilisent en Inde pour avoir des cheveux très longs, très forts. C'est une recette très ancienne, c'est un secret de famille qui est passé de génération en génération, qui va tout simplement vous laisser sans voix. Sachez que l'ail est un remède millénaire, savamment appelé Allium sativum, a de nombreuses vertus thérapeutiques. Ce concentré d'acides aminés, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, l'allicine notamment qui agit comme un puissant antibactérien, fait aussi des miracles pour vos cheveux. Si bien que les différentes maisons de cosmétiques à l'instar d'Oinobiol, Lys Parisien, L'Oréal, l'exploitent dans leur gamme de sérums ou d'huiles anti chute. Et bien sûr, c'est pareil pour la vaseline. Si jamais vous avez des cheveux secs, vous avez des cheveux cassants, vous avez des pellicules, la vaseline est idéale pour nourrir vos cheveux, hydrater en profondeur. De plus, elle permet d'éviter des pointes qui se dédoublent et favorise la croissance de vos cheveux. Il suffit simplement de retenir cette phrase. Appliquez de la vaseline avec de l'ail sur vos pointes de cheveux ainsi que vos cheveux abîmés. Non seulement ils seront nourris, hydraté, mais il y aura une pousse plus rapide et ce sera 2 à 3 voire 4 fois plus garni. Maintenant, vous allez me demander, oui Rose, comment est-ce qu'il faut s'en servir? Donc la recette anti-chute que je vais vous proposer ici là, hein, vous allez prendre de la vaseline comme vous pouvez le voir là, avec 3 gousses d'ail. Prenez le temps de peler tout ça, ajoutez bien sûr 3 cuillères d'huile d'olive, mélangez bien le tout, laissez reposer mes amours à température ambiante pendant 1 à 2 jours. Vous allez tout simplement mélanger votre masque ail vaseline sur les cheveux, vous macérez le cuir chevelu et laisserez reposer 30 à 60 minutes. Rincez et faites votre shampoing habituel pour adoucir l'odeur de l'ail. Vous pouvez vaporiser un petit peu de vinaigre de cidre dur sur vos cheveux. L'odeur s'estompera en quelques minutes. Vous allez me demander pourquoi est-ce que je pense que cette recette c'est pour vous. En quoi est-ce que cela fonctionne? Sachez que en stimulant la microcirculation, l'ail redonne de la vitalité au bulbe de vos cheveux. Cela va stimuler la pousse, contribue à freiner la chute. Grâce à ses propriétés antibactériennes, il va tout simplement assainir le cuir chevelu, diminuer les pellicules et bien sûr stimuler les cellules mortes, stimuler votre crâne, surtout si vous perdez vos cheveux. Je conseille définitivement d'utiliser cette recette hein, qui est low cost, qui ne coûte rien et bien sûr qui va faire votre bonheur. Et bien sûr, vous pouvez l'utiliser sur les enfants, hein, mais vous n'utilisez qu'une gousse d'ail avec une cuillère de vaseline. Et au lieu de laisser poser 30 à 40 minutes, vous laissez poser 10 minutes pour booster leur pousse de cheveux et surtout adoucir et attendrir leurs cheveux. Si jamais vous avez aimé, likez, commentez et partagez. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous!